tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment faire trois coiffures simples et rapides à la maison en vue d'un mariage, de bal définissant ou d'une occasion spéciale. Premièrement, venez brosser tous vos cheveux pour pas qu'ils restent de nœuds. Et maintenant, ce que je viens faire, c'est sélectionner une petite partie sur le dessus de ma tête que je vais venir crêper, ce qui va faire en sorte que ça va ajouter un volume à la coiffure. On vient fixer le tout et on brosse délicatement. Avec mes doigts ou un peigne, comme tu vois dans la vidéo, je viens sélectionner une partie au-dessus de mon oreille que je vais venir tourner sur elle-même vers l'arrière. Je vais maintenant tirer délicatement sur quelques mèches pour ajouter un effet volumineux à cette section-ci. Et je vais l'attacher avec une bobépine. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et là, fais attention pour ne pas tirer trop fort, parce que s'il y a trop de mèches qui sortent, ça ne fera pas beau. Il va falloir que tu recommences. Maintenant, je sépare le reste de mes cheveux en deux et je vais faire un chignon organique. Comme tu vois, je tourne exactement toute la partie de mes cheveux sur mes doigts et je viens piquer avec des bobépines pour bien le tenir en place. Je fais la même chose de l'autre côté. Et là, inquiète-toi pas pour les petits cheveux qui restent en arrière, on va venir s'en occuper un petit peu plus tard. Je viens prendre un petit peigne, c'est toujours plus facile. Je prends une bobépine et je viens attacher les cheveux restants. Alors voilà ce que ça donne. Je viens maintenant ajouter quatre petites fleurs en arrière du chignon. Ça fait super beau avec le voile, ça y laisse de la place. Puis même si c'est un bal, ajouter des petites fleurs comme ça derrière le chignon, ça ajoute vraiment un effet beaucoup plus glamour à la coiffure. Maintenant, on est rendu à la deuxième coiffure. Ça va être un chignon qui va être fait uniquement à l'aide de tresses. Donc, je prends une première partie, je sectionne mes cheveux à peu près en trois, et la première partie, je vais la tresser à peu près au niveau de l'oreille jusqu'à la fin de mes cheveux. J'attache la tresse avec un petit élastique transparent ou de la même couleur que les cheveux pour pas qu'on puisse le voir dans la coiffure. Maintenant, je viens faire la même chose avec la section arrière. Donc, je fais une tresse jusqu'au bout que je vais attacher à l'aide d'un élastique toujours. Et maintenant, pour la troisième section, toujours une tresse jusqu'au bout. Et là, si tu vois des petits cheveux qui restent, c'est pas grave parce que j'ai quand même un léger dégradé. Donc peut-être que toi aussi, ça va être ton cas, mais on va tout venir attacher ça avec les bobépines après, durant le montage de la coiffure. On est maintenant rendu à l'étape d'élargir la tresse pour que ce soit un petit peu plus beau. Alors je viens sélectionner les branches et je viens tirer délicatement sur ces branches-là, tout en tenant l'élastique en bas dans mes mains. Et je commence du haut vers le bas. J'élargis la tresse et ça va être beaucoup plus beau avec le chignon. Je fais la même chose des trois côtés. Je viens fixer le tout pour pas qu'il y ait de mèches qui sortent. Et maintenant, je prends la section de gauche que je vais venir placer sur le dessus complètement. Je fais l'effet miroir et je prends la section de droite que je viens mettre directement en dessous de la section de gauche. On attache le tout avec des bobépines comme d'habitude. Et pour celle d'en bas, juste la placer pour qu'elle puisse se placer en dessous des deux autres tresses. Là, c'est le temps de cacher les petites queues de tresses en dessous de ce que tu viens de mettre avec les bobépines toujours. Donc, on les cache du mieux qu'on peut. Je replace les tresses avec mes mains. On s'assure que le tout est bien fixé pour pas que ça bouge. Et pour les petits cheveux fous,
qui restent en arrière de mon cou, on les ramasse et on prend une bobépine pour venir les attacher eux aussi. La prochaine étape, et si toi aussi tu as un toupette comme le mien, je viens ramasser tous les cheveux en avant, je vais faire une petite torsade pour être sûr que mon toupette va tenir en place toute la journée, et je viens attacher les cheveux avec trois belles petites bobépines avec des petits diamants. Ça fait vraiment un beau petit côté chic à la coiffure. Tu peux en mettre comme tu veux, moi j'en ai juste mis trois. Si jamais toi aussi tu as des accessoires à la maison, viens les prendre et les mettre juste au-dessus de ta tresse. Ça va vraiment ajouter un côté beaucoup plus chic à ta coiffure. Voilà le résultat final! Pour la troisième coiffure, je vais venir friser l'ensemble de mes cheveux. Si jamais tu veux voir comment je fais ça, ben écris-moi un petit mot en commentaire puis ça va me faire plaisir de te montrer une vidéo. Je laisse refroidir la mèche de cheveux dans ma main pour ne pas défaire les boucles. Et voilà le résultat. Je fais ça avec tous mes cheveux au complet. Maintenant, je vais venir brosser délicatement pour ouvrir les boucles, pour pas qu'elles restent trop serrées. Et je vais mettre du fixatif tout de suite pour les tenir en place. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'enlève la première partie en avant de mon oreille pour pas la mettre dans mon chignon. Et je viens prendre la section juste au-dessus de mon oreille. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est une fishtail. Donc, j'ai pas mis les détails dans la vidéo, mais si jamais tu veux savoir comment faire une tresse queue de poisson, bien, écris-moi un petit mot, puis je vais te faire un vidéo close-up pour que ce soit plus facile pour toi de le faire. Si jamais tu préfères faire une tresse régulière, la coiffure va être tout aussi belle avec ce genre de tresse-là aussi. Maintenant, je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. On prend juste une section au-dessus de l'oreille. Assure-toi de ne pas prendre complètement les cheveux du dessus de la tête. Et tu fais une tresse, comme de l'autre côté, jusqu'au bout des cheveux que tu as sélectionnés. Maintenant, je viens tirer délicatement sur les deux branches des deux côtés. Pour être capable d'élargir ma tresse, je fais la même chose des deux côtés. On prend maintenant une première tresse qu'on vient attacher à l'aide d'une bobépine directement en arrière de la tête. Et je fais la même chose de l'autre côté que je viens cacher en dessous aussi de la première tresse. Maintenant, ce que je viens faire, c'est enlever délicatement les petits élastiques de mes deux tresses. Je vais prendre une brosse puis je vais venir peigner doucement pour enlever tous les nœuds qui auraient pu se former. Je suis allée chercher des petites fleurs blanches dans ma cour arrière que je viens poser délicatement dans mes tresses. Si jamais tu veux qu'elles tiennent toute la journée, tu peux toujours les attacher avec des bobépines. Et là, c'est le temps d'en mettre en masse. Plus tu en as, plus ça va faire beau, comme une couronne de fleurs en arrière. Voilà le résultat final! Donc, quelle coiffure as-tu préférée? La première, la deuxième, la troisième? Si jamais tu veux que je te réalise d'autres coiffures pour un mariage ou occasion spéciale, écris-moi un petit mot en commentaire, ça me fera plaisir de te réaliser ça. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et je vous souhaite à tous une bonne journée! Bye!